comme ça. Ils voient une arbre, ils passent pas. J'ai 30 ans de boulot, je sais ce que c'est qu'une barrière. Ça fait... On n'a pas une... Si, ça il m'a agressé directement, j'ai le droit de le regarder, j'ai pas de témoin. Arrêtez, je suis une merde, je suis un marchand, indépendant. Bonjour monsieur, vous allez bien, est-ce que vous pouvez? C'est ça, là. C'est pas que vous êtes des Schmitt, que ça y est, vous êtes des grands témoins. Ah non, hein, on vient de tous les samedis, on vient de travailler. Je vous ai pas insulté. Non, vous êtes des Schmitt. Ça va être bizarre. Tous les commerçants, ils sont à vous, parce qu'on a eu le marché bloqué, à cause des uns et des autres. Et après, la dame, vous prenez l'emmerdée pour 20 cm. Je veux bien que vous ayez des règles, mais des règles, attendez, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Des règles, c'est pour tout le monde, d'accord ? Donc nous, on veut bien respecter les règles, mais comme elle dit la dame, on n'est pas à 10 cm près. Ça vous gêne encore, donc elle est à 10 cm. Il y a la barrière des arbres. Il faut vraiment que vous lisiez un bouquin de commerce avant d'attaquer les commerçants. Ah, franchement, laissez les tranquilles, c'est leur dernier jour. C'est leur dernier jour avant le confinement de merde. On en a tous marre de ce confinement de merde. Laissez-les travailler. Laissez-les travailler, bordel. On est bien d'accord. Mais par rapport au masque, il y a quelque chose. Après, non, mais justement, le problème, c'est ça. Si tout le monde est à vous, on finit comment? On se fait tous la gueule pour gagner quoi, 10 euros? On est tous là pour travailler. On est bien d'accord. On est tous là pour gagner la marmite, pour travailler. On est bien d'accord. Mais si tout le monde est battre, on se mange le cerveau, ça va finir comment? Oui, c'est vrai. À un moment donné...